Salut Sercheux, salut Briançon. Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau vlog avec Pierre Voltier. Eh ouais. Et pour ça, il m'a lancé un défi. C'est de partir du Grand Cerf et de descendre jusqu'à Ratier en snowboard, alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Donc c'est parti, on vous embarque avec nous pour cette matinée. Téléphérique ou télésiège ? Téléphérique, hein. On vient d'arriver en haut du Grand Cerf avec Pierre. C'est parti pour le défi. Il va me donner ses premiers conseils. Bah déjà, je pense, Arthur, c'est vraiment pas difficile le snowboard. Tu vas voir, tu te mets sur ta carte, par exemple. Si tu veux passer car back, car front, c'est tout simple. Tu te mets pied avant, tu regardes bien loin. Et il faut juste que tu mettes ton poids sur le pied avant. Une fois que tu as passé la ligne de pente, tu avances un petit peu ton genou. Et puis tu vas voir, ça va te faire prendre en fait la carte tout seul. Et tu vas passer sur le virage d'après. Et franchement, facile. On y va. Voilà, pied avant. Oui ! Mais oui ! Mais il l'a fait ! Mais c'est trop bon ! Ouais ! On regarde, regarde ! Mais... Ça va, bloc ! Ah, c'était celle-là. Mais là, j'ai fait 100 mètres en 3 heures, c'est pas bien. Mais là, t'as muté là. En l'espace de 50 mètres, t'as muté, tu n'es plus le même Arthur. Tu fais un petit virage là. Allez, c'est bien, pied avant. J'ai réussi à faire un virage déjà. Ouais, c'est top, mais là quand même faudra un petit peu accélérer parce que c'est trop long. Ça va être long là. Ouais, viens, on y va. Ouais, j'arrive, Pierre, hein. Pied avant. Il y a un peu de car là, réfléchis bien. Il a acheté la sonnette. C'est mieux que Pierre, c'est un vrai cours. Tes épaules, ferme tes épaules. Oui, ouais. Oh le malade. Oh le malade. Ça c'est la planche là, là on a un genou, l'autre genou, l'épaule, le sac à dos tout le long, Arthur ici, voilà. Jusqu'au bout, le pied avant. Ouh, les précipices, oui, la fuite exactement, on était à Ratier, on monte là-haut, tout en haut de Grand Cerf, en téléphérique. Monsieur n'a jamais fait de snowboard et on descend comme ça et là on part sur la Luc là. Là les cocos, il y a du level hein. Pierre, ce serait pas le moment de leur dire où on va cet après-midi? Cet après-midi nous irons à Alpes Squash faire un petit sauna japonais. Toi je pense que tu auras quand même 2-3 petites douleurs cet après-midi. Pierre, je t'attends depuis le début là, regarde. Allez, on y va. Ouais, c'est bon. Ah, let's go, suivez-moi. Regardez. Ah, je l'ai déjà. Oui, oui. Look at this bro. A freaking awesome. Le wall, Arthur. 1v1. Eh, dommage. Pas mal la mise à pas comme ça. Oui, oui. C'était... Mais voilà, il n'est pas tombé. Il était tombé. Bon bah, le snow après avec Pierre Voltier, c'est fait. Maintenant, on part direction Alpes Squash pour tester le sauna japonais. Allez, let's go. Venez avec nous. Bon, on est arrivé à Alpes Squash. Pierre, il est déjà à poil. Comment ça se fait que toi t'es en doudoune et moi je suis à poil là? Il y a un truc qui va pas. Moi en tout cas, je vais raviver mes glandes sébacées, je crois. Le sauna est là, sauna japonais. C'est un peu space, hein, t'as vu un peu cette goulotte machin, faut se mettre dedans. Après, on tire le truc et puis on part pour 40 minutes. Bien fait d'avoir bu un petit verre d'eau. 40 minutes comme ça, je vais cuire, je pense. 30 minutes, tu vas sentir de la chaleur sur ta peau, mais pas du tout de transpiration, c'est totalement normal. Okay, donc là, le but de la manœuvre, c'est de lâcher prise dans ta tête, de t'endormir et de laisser faire les choses. Voilà, fin de séance, je sors, j'ai une petite serviette glaciale pour se passer sur tout le corps. Ça va faire du bien. À ce bon petit sauna japonais, très sympa comme expérience. Ils sont forts ces japonais. Prochain projet, alors, c'est un peu secret, mais j'ai quand même y dire. Je suis en train de faire
enfin, je vais faire un labyrinthe pour le Grand Prix de Serre-Chevalier. Et ça, c'est cool. Ça, c'est la surprise. C'est l'occasion de vous donner rendez-vous pour le Grand Prix de Serre-Chevalier le 25 mars à Serre-Chevalier. Et on conclut ce vlog là-dessus. À bientôt pour une prochaine aventure. Ciao. Ciao, à bientôt.